Et du coup, salut à tous et à toutes, c'est Konotro pour une nouvelle vidéo de ce Let's Play du coup sur Nier Automata. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de soucis de record. Mais bon, je vous avoue que techniquement là c'est la troisième vidéo que je fais de suite. Parce que je les enchaîne un petit peu. Parce que j'ai envie de voir la suite tout simplement. Donc j'espère que voilà, il n'y aura pas eu trop de soucis niveau son, niveau tout ça. Et puis bah, que ça vous plaît toujours autant. J'ai pas encore trop décidé, du coup voilà, vu que je tourne ça à la suite, je fais un peu à l'arrache. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, si on va faire du principal ou du secondaire. Là, vu que c'est juste à côté, j'aurais tendance à vouloir faire la quête secondaire ici. Du coup, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, on va faire les deux quêtes secondaires, donc celle-ci et celle de 11B. Et on verra après pour continuer, quoi. Alors, donc, enfin, même si là, je sais pas trop quoi faire, en fait, puisque de quoi on a dit, il a disparu ici, mais... En fait, non, je suis pas vraiment ici pour me reposer, je suis ici parce qu'il y a un mec qui a disparu. Du coup, je sais pas trop. Parce que lui, je peux pas y accéder, on est d'accord. Peut-être que je peux. Peut-être qu'elle, qui discute un peu en secret, va peut-être pouvoir m'aider. Salut. Non, ils pourront pas m'aider. Attendez, on va aller voir les quêtes vite fait. L'essence affirme que respecter le site de stockage matériel pour essayer de découvrir l'indice sur ce qui lui est arrivé. Effectivement, il a disparu ici. Du coup, je peux. En fait, le problème, c'est que c'est en 2D, donc je peux pas vraiment aller fouiller plus que ça. Parce que là, je peux pas passer, on est d'accord. Hein. Donc bon. Ah, peut-être aller voir le mec là-bas. Attendez, on va aller voir. Tac. Allez, là-bas. Ah non, lui il a une autre quête à me donner. Comment est-ce que je vais me sortir de ça, de la tête? Sortir quoi? Hein? Quoi? Qui êtes-vous? Vous faites partie du groupe Yora. Anemone nous a dit. Enfin, Anemone nous a dit de faire comme chez nous. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est juste que l'une de mes amies a une boîte qui fait de la musique quand on l'ouvre et je n'arrive pas à me sortir sa mélodie de la tête. Elle est magnifique, je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Pour rien arranger, je me souviens que la première partie de sa mélodie, Ah, ça me rend dingue. Si on pouvait revenir au camp pour que je puisse à nouveau réécouter cette fichue mélodie. Laisser cette folle se débrouiller, partir à la recherche. Oui, si on ne l'aide pas, elle ne se mettra jamais au boulot. Une boîte qui fait de la musique. Bizarre. Analyse, l'objet en question est une boîte à musique. Elle devrait se trouver dans un lieu où l'on en joue. Proposition, le parc d'attractions local semble un endroit logique où entamer les recherches. Oh, il y a un parc d'attractions. Ta logique est un peu bancale, Pod. Mais bon, autant essayer. C'est notre seule piste pour l'instant. Ok. Je peux aller par là ou pas, du coup? Non. En fait, j'ai l'impression que je pourrais y aller que plus tard. Donc, je pourrais peut-être faire la quête secondaire de l'autre que plus tard. Bien, je peux accéder ici. Par l'extérieur. Mais ça me paraît bizarre que... Bah que ça touche cette zone là quoi du coup. Je vais voir si je peux faire le tour. Ouais, je vais aller voir sur la carte comme ça plutôt, ça ira plus vite. Ouais, c'est vraiment juste derrière quoi, donc en fait si je sors là je pourrais pas faire le tour. Donc, je pense que c'est une zone que je pourrais aller seulement après. Peut-être une fois que voilà, on va débloquer ici, peut-être qu'il y aura un accès par là, donc on verra après. Donc moi je serais chaud pour aller voir... Mais pour aller voir ici en fait, tout simplement. Je sais pas trop comment y retourner en fait, si on peut y retourner par ici, je pense, sans doute. Donc, allez, on va essayer d'y aller. Comme ça, voilà, je vous ai dit qu'on ferait un peu de secondaire, bah, comme ça on fait un peu de secondaire. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira, qu'on fasse un peu de secondaire. Peut-être que... Voilà, je pense que si vous suivez cette aventure, je pense que ça vous plaira. Mais bon, ça tombe jamais. Peut-être que vous serez un peu moins chaud que... pour l'aventure principale, donc voilà, si ça vous intéresse vraiment pas, écoutez, ça sera peut-être les épisodes spéciaux, tous les 10 épisodes, on fait plein de secondaires, à voir. Alors est-ce que je peux passer, faut que je passe par en dessous, ou est-ce que je peux passer par au-dessus? Bonne question, parce que là j'ai l'impression que je peux passer par ici en tout cas, tac, et j'ai l'impression que ça nous ramène, ouais, à l'entrepôt où on s'était battu au début, comme quoi tout est un peu relié, décidément. On va pas aller partout sur Terre. Hein. Eh ben écoutez, on va aller voir
En espérant que ça ne déclenche pas du secondaire. Enfin, du principal, plutôt. Ok, donc là, on pourra remonter facilement. Parfait. J'avais pas trop envie de sauter sans savoir si on allait pouvoir revenir. Ça a l'air d'être le cas. Donc écoutez, on va explorer. On va essayer de chercher des indices sur 11B. Et puis, on verra. Il y a plusieurs points rouges, donc je sais pas si chaque point rouge est... un truc à observer ou pas. Minerai, on s'en fiche. J'ai quand même activé. Voilà, ok, il y a des robots. Donc on va s'en charger. On a 6 petits espaces, c'est pas très pratique. Mais bon, ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, dans les topographiques, tant qu'on est, on sauvegarde. Messagerie, rien d'autre. Ok, parfait. Donc il y a un truc un peu plus par là, mais ça, je pense que c'est plus au-dessus. Ouais, alors je sais que je désactive tout le temps ça, mais c'est vrai qu'avoir le halo sous les pieds, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Quoique, on s'en fiche. C'est pas très grave, bon, j'écouterai si vous avez des suggestions. Alors là, on s'était battu, hein, je crois. On était arrivé ici, et du coup, la machine avait tout détruit. Ah bah tiens, salut. On gagne une nouvelle épée, j'ai l'impression. Traité vertueux. Voyons voir. Arme. Arme. Ok, c'est aussi une grosse épée. Elle fait un peu moins mal que le monarque. Info. Épée blanche de samouraï qui n'a pas encore été souillée par le sang. Ennemi vaincu, zéro. C'est toi? Première rencontre avec mon amour. Super. Bon, je pense que je vais l'équiper. De toute façon. Bon, de toute façon, voilà, j'ai pas amélioré la grosse épée. C'est pour changer un peu de visuel. Elle est plus fine dans le dos. En vrai, quand j'ai fait ma marche, j'ai fait avec la grosse épée. Ah, si j'en faisais une avec celle-ci. C'est la classe quand même. Hein. Bref. Oula, c'est quoi tous ces soins? Oh là là! Tous ces soins légers, tous ces soins moyens. Tous ces trucs, c'est quoi tout ça? C'est tout ce qu'on avait sur nous à la base? Incroyable! Ok. Donc ça c'était notre cadavre à nous, je suppose. Enfin quoi, techniquement si on s'est suicidé... Enfin quand on a explosé bien plus loin, mais... Là c'est peut-être d'autres unités qui sont mortes ici aussi. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Non. Ça, je pense que c'était indépendant de 11D. Parce qu'on est en dehors de la zone ici de, comme on voit, de recherche entre guillemets. Marche, marche, marche. 8 machines, super. Bonjour. Personne. Bon, techniquement, on avait la zone, hein, mais. Enfin, la première fois qu'on est venu, mais on sait jamais. Ça c'est fermé. Voilà. Ok, très bien. J'avais vu qu'il y avait une échelle, c'est juste que. Voilà, vu que j'avais une porte, je voulais vérifier la porte avant. Hop. Hop. Ah oui, en effet, je me souviens. Un peu de ce truc de. Et du coup, on doit tout fouiller, genre en mode. Chercher des traces de l'autre. Donc. Tas de ferraille, super. En fait, on fait vraiment le chemin à l'envers de ce qu'on avait fait la dernière fois. Toute la carte est rouge parce que du coup, ça peut être n'importe où. Super. Alors, du coup, est-ce qu'il y aura des nouveaux robots ici ou... Techniquement, les... Ah, il y en a d'autres. Parce qu'on en a déjà battu hein, ici. Ah, je suis quand même pris un coup comme quoi. Même en assisté, on ne peut pas non plus trop en jouer. On reste fort, mais on a des limites. Du coup, j'étais arrivé par ici. Par ici, je crois. Oh, c'est bizarre de voir tout dessus comme ça. Hop, c'est bon. Okay. Attendez, faut juste que je la carte vite fait quand même. Alors, on voit rien. On n'a aucune donnée topographique ici. Mais écoutez, on va refaire le chemin et puis on va espérer tomber sur
Ok, je me suis pris le truc en plein dans la gueule. Trop bien. Puis on va voir. Parce que là, c'est pas une quête bateau où juste on traverse le lieu et rien. Il y a quand même. Il y a quand même des. Voilà, il se passe des trucs quoi. Ah, il y a beaucoup plus grand ici. Peut-être qu'on aura un téléporteur à la fin. Qui sait. Salut. Je vais pas laisser le temps d'attaquer. Parfait. Alors. Ou bien ça. Non, ça c'est pas les gens qui sont morts. Ouais, on récupère leur cadavre. Ok, ça on l'avait déjà débloqué. Si on l'avait pas fait, on l'aurait fait là. C'est pas très très grave. Et oui, il faut aller par là-bas pour retrouver 11B, c'est ça? Je sais pas, c'est là où il y a marqué le point. Ah, c'est bizarre, attendez. Carte. Ah non, c'est beaucoup plus bas. J'enlève le repère. Ah oui, donc c'est le même endroit, mais plus bas. Voilà, c'est un peu horrible de se repérer comme ça. Mais ça a l'air d'être quand même plus là-bas. Qu'est-ce qui se passe si je veux aller vers ici hein? On va essayer d'aller là. C'est ouvert ou pas? Oui. Oui, parce que c'était par là que j'étais passé. Ça me dit quelque chose. Hmm. Oh mais là on s'écarte, là on grimpe. Est-ce que c'est vraiment par ici? Mais non, parce que là ça va nous ramener où on était, non? Voilà. C'est les orientations toujours. Hein. Est-ce que là on tourne en fait? Je sais pas. On récupère des trucs. Donc attends, je vais quand même aller de l'autre côté plutôt, d'abord. Même si c'est bizarre que l'indicateur nous a indiqué sur la carte plutôt que par ici en fait. Alors ça m'intrigue trop. Bon je sais pas. Au pire, tant pis, on se perdra. Hop. Grimpe. Grimpe. Les petits gars. Ah, ils ont pas beaucoup de chance contre nous, hein. On est vraiment l'endroit de combat. Voilà, on est là, on a un peu leur pire cauchemar. Hein. On va pas se mentir, donc là c'était fermé. Ça passerait ouvrir. Là c'était ouvert et. Ok, ah mais en fait ils fabriquent des robots ici, on continue quoi. Ah, c'est peut-être ici qu'il faudrait qu'on les empêche de fabriquer. Ok, c'est bon, je rentre dans la zone. Ah non, parce que c'était là où j'étais en fait. Voilà. Sans orientation toujours. Donc là j'ai fait un tour en fait. Oh, si ça c'est catastrophique. Hein. J'ai sens que c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai fait un tour complet. Très bien. Oh là là. Quelle tristesse. J'ai fait une boucle. J'ai honte. Des nouvelles personnes? Oui. Salut. Attends, il y a des dégâts maintenant. En même temps, là, ils sont niveau 2 et 3, niveau 9. Déjà qu'on est au niveau combat, on est fort, mais là. À mon avis, c'est parce que c'est aussi des quêtes secondaires, donc. Ça doit être pouvoir fait, ça doit pouvoir être fait, je pense, pour n'importe quel niveau. Peut-être qu'on aurait même pu le faire avant d'aller dans le désert, par exemple. Donc bon. Hop. On va redescendre. Donc. Là. On enfonce. Bon, on enfonce un peu moins. Et vraiment. Une traque. Bon, je t'ai fait tous parce que là, on entend. Hop. Hop.
Donc techniquement, si on suit la carte, on avait vu que c'était plus en bas. Hein. Donc ça va être un peu plus loin, je sais pas. Ça va être plus loin par derrière là, du coup. Par devant là-bas. Si on peut y aller. Quoique non, parce que sur la carte, c'est plutôt par ici. Bah écoutez, on va suivre et puis on verra bien de toute façon. Hop. Hop. On descend. On peut aller par là-bas ou pas? Non. Salut les gars. Je suis derrière vous. Hop. On ramasse un peu tout évidemment. Tac. Toutes les petites vis. Non, ça va. Trop puissant. Tac. Est-ce que je peux passer au-dessus? Ouais, je pense pas. Y a pas d'autre chemin, non, on est d'accord. Non, il veut pas, d'accord. Ouais, mais du coup, comment on fait pour y aller? Parce que c'est peut-être plus tard en fait, hein. Parce que là, c'est-à-dire que j'aurais vraiment fait toute la vidéo pour rien, tu vois, parce que on va pas continuer, quoi. Je ramasse ça, hein. Sauf si on peut accéder de là-bas. On va voir. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas en fait. Donc je pense qu'en fait c'est juste que ça sera accessible plus tard. Donc en fait je suis venu ici pour rien. Ici on est d'accord qu'on a... On a pas un nouvel accès. Quoique. Ça je peux grimper dessus ou pas? Non. That's a Yorha unit. Ah. Analysis. Yorha type B body confirmed. Voilà. It belongs to the missing unit known as 11B. So this is where you landed. Pod, can you access her black box? Negative. Unit 11B's black box has been irreparably damaged. Proposal. Unit 2B should recover any usable weapons. Fragmented data detected in memory region. Là, c'est à moi de choisir ou non? Je prends de toute façon tout ce que je peux et... De désertion de 11B. Temps écoulé, 2 secondes 13. Réactivation terminée. Une vérification rapide de mon corps révèle un certain nombre de défaillances. Mes fonctionnalités de communication ont été détruites. Je n'arrive à contacter ni mon équipe ni la base. Je laisse un brouillon de ce message en guise de journal. Temps écoulé, 10 secondes. Je reste dans ces 10 minutes, je pense. 10 minutes et 13 secondes. Je passe à nouveau le plan en revue. Je profite de ma destruction apparente lors de cette opération pour interrompre toute communication. Je passe ensuite sous l'usine désaffectée pour m'enfuir. Une analyse plus poussée révèle que mon module de vol a été touché par un tir anti-aérien, ce qui a endommagé mon corps. Peu importe, c'est réparable. 15 minutes et 21 secondes. J'ai froid. Mon système sensoriel semble défectueux. 33. Des interférences commencent à brouiller ma vision. Des avertissements viraux apparaissent régulièrement. Je ne sais pas encore si mes systèmes sont infectés. Ou si ce ne sont que des dysfonctionnements. L'opération n'avance pas aussi bien qu'elle le devrait, peut-être en raison de ma nervosité. Les poursuivants ne vont pas tarder à me rattraper si je ne me répare pas très vite. Et j'aurais bien fait de tenter de fuir. Elle est nerveuse. Je croyais que les sentiments étaient... Bref, encore une fois. Pourquoi programmer des sentiments à des machines si vous voulez pas qu'elles en aient? J'ai peur. Je vais retourner à la base, mais je n'arrive pas à rétablir la communication. Ça ne veut pas continuer comme ça. Ça ne veut pas rester ici, je dois m'enfuir. Le groupe Yorha avait tort. Je vais me mettre à l'abri, j'ai peur, j'ai tellement peur. Douleur, j'ai mal, à l'aide, pourquoi arrêter? Qui suis-je? Tort, je dois fuir. What the fuck? Elle a prévu de déserter. Ah bah oui, là tu peux pas prendre la pire, elle est morte. Hein. I'll bring this weapon back to 16D in the bunker. Super. C'est chelou quand même. J'avais prévu de déserter. C'était pas si idyllique que ça. Alors du coup, quel est le chemin le plus court pour partir d'ici? Ah bah il faut que je retourne techniquement là. Hop là. Faut que je retourne à la... au camp, parce qu'il n'y a que lui qui me permet de me téléporter jusqu'à la base. Si je veux remonter jusqu'à... pour rendre la mission. Bon ça on est dans les temps. Bon, du coup vous aurez vraiment eu une mission, une quête secondaire. Donc quoi, la quête secondaire était pas mal longue quand même, mine de rien.
Mais voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi vous attendre, je pense, pour les quêtes secondaires. J'aime bien comment je trace. Nainès, il galère à me suivre. Alors Nainès, on est rouillé. Bon, je suis unité de combat en même temps. Mais... Hop là, je suis optimisé pour ça. Pas lui. Tac, je récupère ça. Il y avait autre chose ici à récupérer. Non, j'ai cru. Hop là. Du coup, on va partir d'ici. Quel est le plus rapide? Par là plutôt, non? Ouais, par là, je crois. Mais j'ai mon sens d'orientation toujours. Ah ouais, normalement, il est pas mauvais, mais bon, sur des zones aussi grandes. C'est pas si simple. Hop. Je crois que c'est par là. Classe, classe, classe. Non mais voilà, j'espère que ça vous aura plu du coup comme vidéo. C'est un peu plus cool du coup que des... Enfin, ça, le jeu est pas non plus extrêmement exigeant. Enfin, comment dire, même les épisodes... Enfin, je voulais bien dire exigeant. Hein. Je voulais surtout dire que même les quêtes principales sont quand même un peu cool dans le sens où là on se balade. Bon, il y a des combats évidemment, mais voilà, ça reste quand même plutôt cool. Donc voilà. Bon là c'est clair qu'en plus avec du secondaire, plutôt par ici je crois. Non, il s'est fait très bien, comme par hasard. Mais voilà, là c'est vrai qu'il y a moins de scénario, un peu. Ben là c'est intéressant parce qu'on apprend que des unités Yora peuvent vouloir déserter. Mais par où je suis arrivé en fait? Je crois que je suis arrivé par ici. Genre sur le côté. Genre là. Parfait. Hop là. Parfait, parfait, parfait. On a bien fait de repasser par ici, hein, n'empêche. Parce qu'on est d'accord que ça nous permet pas de remonter jusqu'à la base. Hein. Hop. Non, ça fait que des sauvegardes, ça fait pas des... Ça fait pas des transferts, bon, c'est pas grave, c'est pas si loin que ça, en vrai. Puisqu'il y a quand même des raccourcis qui ont été ouverts, et puis on est quand même en cours vite, hein. Donc bon, non, en vrai c'est cool, je sais pas... la fréquence des quêtes secondaires, si on en fera souvent ou pas. On verra. Ça va être en fonction. En vrai, bon, on verra. Encore une fois, voilà, vous avez vu que je voulais faire l'autre, mais l'autre était bloqué. Donc bon. Et techniquement, là on a aussi fait le. Ce qu'on devait faire, c'est récupérer nos données à nous, je crois. Je crois que c'est celle qu'on a récupérée en premier d'ailleurs. Donc bon, écoutez. Plutôt cool. Tac. Voilà, je vais aller tout droit, puis à droite, et on sera au camp. On retourne sur la base, on lui donne, enfin on lui apprend comment son mentor a péri. Même si du coup, enfin je sais pas si, bah, si on lui dit que son mentor comptait déserter, peut-être qu'elle va vouloir déserter aussi, en mode genre, pourquoi, enfin en tout cas savoir pourquoi son mentor voulait, ça c'est sûr. Après bon, on verra bien, écoutez, après c'est pas notre problème, entre guillemets, on rend service, hein. Nous avons une mission. On ne ment pas. Après, je sais pas. Tac. Transfert, base. Oui. Et c'est parti. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. Ça fait une bonne vidéo. Peut-être plus courte que les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, plutôt sympa. Ouais, je vous avoue que les miniatures aussi, je sais pas trop comment faire pour les quêtes secondaires et tout. Bon, on verra, je crois que Fun Art, c'est bon, c'est un genre de noir et blanc qui a... Je l'ai pas noté. Mais quasiment tout le temps dans les... Enfin, dans la base ici. Quasiment tout est en noir et blanc. Je sais pas si c'est l'éclairage qui veut ça ou pas, mais je trouve ça plutôt marrant. Enfin, c'est plutôt cool, ça donne un look assez particulier. Enfin, plutôt sympa, quoi. Bref. Alors, salut. Oh, Toby, bonjour. J'ai retrouvé le cadavre de 11B avec cette arme. Vous avez remué les effets personnels de 11B. Le journal de combat est encore intact. Elle a dû se battre jusqu'au bout. J'ai toujours su qu'elle était la plus courageuse entre nous. Merci, Toby. Mais vous devriez la garder. Vous êtes un modèle de combat. Elle ne se fait qu'une unité défensive. 11B aurait certainement voulu que cette arme soit utilisée à bon escient. Très bien. La lame Yora,
bloquée. Hein. Ce n'est pas tout. J'ai découvert d'autres informations dans les données mémorielles de 11B. Oui, un peu ça. Comment ça? Elle pouvait demander son poste? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Eh bien, c'était vraiment une dure à cuire, vous savez, et savoir qu'elle voulait prendre la fuite. Quelle misérable façon d'y penser. Elle l'a bien mérité, vu comment elle me maltraitait. What? Elle me méprisait, parce que je n'étais pas un modèle de combat. Et maintenant? Merci Toby, merci de m'avoir fait part de vos découvertes. Je vais enfin pouvoir me concentrer pleinement à mon travail. Oh, et tenez, prenez ceci. Je n'ai plus de raison de me protéger à présent. Ok. Bon, du coup, elle va plus se battre. C'est pas un modèle de combat. Bon, je lui dis la vérité. Bon, peut-être que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Je sais pas trop ce que ça change. Mais bon, je me dis c'est mieux quand même pour elle. Puis finalement, on a appris que l'autre, elle la méprisait. Donc bon, c'est pas si... Voilà, c'est pas si grave. Du coup, armes... toutes les armes, je vais voir qu'est-ce qu'on a récupéré du coup. Donc, contrat vertueux, celle... bâton. Ah, non, celle-ci, là. On a récupéré la Miura. Oh, elle est moins bien que combat vertueux. Après, c'est parce que je l'ai amélioré contre vertueux. Après, ça veut dire que je pourrais avoir deux armes, deux petites armes plutôt que prendre des grosses armes lentes. Parce que voilà, ça, voilà, comme ça on pourrait attaquer rapidement et avec deux lames, ça peut être cool aussi en vrai. Donc bon. Histoire. Salut la compagnie, il est de nouveau temps d'éplucher les corines. Ok, bizarre. Parce qu'elles font combien? Elles font, ouais, elles font 300 alors qu'elles font. Bon, je vais quand même l'équiper. En 2. Comme ça, j'aurai deux petites armes. Et puis écoutez, bah c'est pas mal. Je pense qu'on va du coup retourner sur Terre. Et puis on va se laisser. Décidément, on se laisse toujours dans le camp. Mais on se laisse dans la ligne. Cette classe aussi. Avec une belle vue. En tout cas, c'est sûr qu'on va les sauvegarder. D'abord. Tac. Sauvegarder. Écoute, on va se laisser avec la belle vue, là, je pense. Voilà, on va regarder la terre. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, du coup, comme épisode. Un peu de secondaire du coup pour changer un peu, mais bon, je trouve que ça peut être cool. Enfin moi, vu que je compte pour faire le jeu un petit peu à 100%, bah, il faudra en faire de temps en temps. Et puis du coup la prochaine fois, on se retrouvera pour bah, aller du coup explorer les fameux, aller trouver les autres androïdes qui apparemment sont un peu dans la merde. Donc voilà, on va voir ce avec quoi ils sont confrontés et du coup si on peut les sauver ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas le like, commentaire, partage comme d'habitude, et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, et à la prochaine. Salut, salut.